Bonjour les Carpates, vous êtes de retour avec un nouvel album qui est sorti en avril dernier et qui s'appelle Angora. Question évidemment, pourquoi Angora? On le sait un petit peu, il paraît que vous avez écrit à l'Angora Bar. Alors pourquoi on écrit à l'Angora Bar? Parce que c'est tout près de chez moi. J'habite à 100 mètres de l'Angora. Donc c'est... Et puis parce que le lieu est sympa et que le patron, qui est un copain, nous donne régulièrement, nous prête son lieu pour y faire des concerts. Et Est-ce voilà. qu'on est au plus près quand on est dans un bar, donc lieu de vie, lieu multi-ethnique, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est au plus près des gens pour pouvoir écrire? Est-ce que c'est lié? Moi, ce que je recherche dans un bar, c'est ou un autre endroit. J'écris pas que dans des bars. J'écris souvent aussi. Je retourne dans ma famille, dans le sud de la France. Je recherche l'isolement en fait, plus un lieu un lieu assez impersonnel en fait. C'est un lieu extrêmement vivant, un bar, paradoxalement. Mais moi, c'est un lieu dans lequel je me sens un peu comme ça, un peu isolé dans cette foule, quoi, dans cette masse. Alors dans cet album, il y a eu 4 ans entre Angora et le précédent. Cette pause a été nécessaire pour prendre du recul, pour s'imprégner de ce qui se passait, ou est-ce qu'il y a eu à un moment une sorte d'écœurement ou de dégoût de ce qui se passait justement politiquement? Alors, il y a plein de choses qui sont intervenues. Notre break, il a été parce qu'on avait déjà une histoire qui était longue. Tous les trois, ça faisait... Voilà, on avait plein d'années de route, quoi, plein de kilomètres accumulés comme ça. Et puis, on avait envie peut-être d'avoir un peu de recul par rapport à ça. Et puis on faisait des choses à l'extérieur. Tu vois, on a fait des enfants, Ça prend du temps, les enfants. Hein. C'est fatigant, ça. Ouais. Ça va vite. Est-ce que ça inspire? Ça inspire beaucoup de fatigue. Est-ce que ça donne une autre vision du monde? Ouais, moi, ouais, forcément. Moi, une autre vision du monde, une autre vision de notre position dans le monde de la musique, en fait. Moi, j'ai toujours eu une approche de la musique extrêmement, extrêmement égoïste, extrêmement juvénile. Tu sais, c'est juste être comme les Beatles, quoi. On veut être devant plein de gens qui nous applaudissent, qui nous disent qu'on fait des belles chansons. Et c'est un truc qui est uniquement retourné vers soi, quoi. Oui, mais avec une portée quand même sociale. C'est-à-dire que vos textes, ils sont très engagés. Alors, dans le côté juvénile, peut-être ado, disons. Ouais. Justement, il y avait une rage, il y avait quelque chose. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je te pose cette question. Alors, ça, nous, voilà, dans l'écriture, on a aussi toujours voulu dire des choses, pas uniquement faire de la musique pour faire la fête. Il y a tout le temps eu aussi un propos important derrière. Et mais le fait d'avoir des enfants qui arrivent dans cette grande formule comme ça, c'est quelque chose qui... Moi, je vais plus sur scène exactement pareil tout le temps. Maintenant, moi, j'ai l'impression que je me balade dans cet univers de la musique avec tout le temps la famille qui n'est pas très loin, quoi, tu vois. Et quand le retour à la maison fait plaisir. Avant le retour à la maison, c'était plutôt comme quand tu rentres de colonie de vacances. T'as un gros blues et puis t'as envie de vite retourner sur la route. On va peut-être partir au Chili pendant un mois. Là, j'appréhende. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de dates en plus, là. Oui, mais ça dure longtemps. Donc là, pour les enfants, là, il y a un vrai manque. Pour revenir au texte, je voulais savoir justement ce qui avait évolué sur toute cette période. Alors, bien sûr, il y a les enfants, une autre vision du monde, une autre envie, la pêche toujours, bien sûr, hein, mais sur les textes. Alors, je parlais d'écœurement tout à l'heure, mais c'est un hasard, je ne savais pas du tout si vous avez vécu ça. Mais entre tout ce qui s'est passé, tous les conflits, tout ce qui se passe d'atroce en ce moment, et la rage que vous aviez déjà à l'époque, est-ce qu'il y a un moment où vous avez dit basta, parce que là, c'est trop et on n'arrive plus à écrire? Ou est-ce qu'il y a toujours eu l'inspiration et il fallait que ça mûrisse pour revenir en 2016, justement? Alors moi, tous les mouvements sociaux, les chocs qu'on a vécu en étant parisien, moi je suis dans le 11e, tu vois, donc voilà, ma fille a vécu ça, sa maman. Forcément, on a envie de réagir par rapport à ça, mais moi, ma première réaction, elle n'est pas dans la musique, elle est humaine, quoi, tu vois. Je l'ai pris dans la tronche, et puis quand je suis un petit peu sorti de ça, j'ai eu envie de commencer à en parler et je me suis rendu compte que nous, nos armes, depuis le départ avec Carpath, elles ont tout le temps été de dire des choses, mais tout le temps, on a eu, je pense, un peu le bon goût de le faire avec des biais, on a tout le temps eu des angles un petit peu décalés pour dire les choses. Et là, c'est encore trop récent pour que j'ai l'envie de le dénoncer, de dire ce que j'ai vécu d'une façon comme ça. Je ne parlais pas que des attentats, je parlais du climat politique, de tout ce qui se passe. Ouais. Là, entre Angora, donc, sorti en avril 2016, et le précédent, qui était en 2012. Est-ce que cette pause, et n'est pas seulement, parce que bon, il y a les choses familiales, bien sûr, mais est-ce que cette pause n'est pas liée justement à tout ce qui s'est passé, ou à la sursaturation de ce qu'on voit en télé? Parce qu'il y a une chanson qui s'appelle À la moulinette, qui est très bien vue sur la télé et sur la télé poubelle, finalement. Ouais. Est-ce que c'est pas tout ça aussi?
Ça, c'est quelque chose qu'on a ressenti, mais qui a pas généré le fait qu'on fasse un break comme ça pendant quelques temps. Moi qui écris les textes, j'ai sûrement eu besoin pendant cette pause de retrouver l'envie de la sensation de pas trop me répéter, tu vois, de pas rester dans les mêmes thématiques. Et j'attendais, je voulais pas forcer la chose, tu vois, j'attendais des sortes de déclics comme ça, naturels. Et le déclic s'est produit quand on est parti avec les copains jouer en Amérique centrale. Et là, le fait d'être confronté à une autre culture, à d'autres gens, une autre histoire que la nôtre, ça m'a redonné un petit peu cette envie de raconter ça en rentrant. Et ça a été les débuts des premiers textes de cet album. Mais il a fallu, c'est vrai, qu'il y ait ce déclencheur là-bas, ce partage. Tu parlais de famille, on a partagé tous les trois, hein, et Aurélien nous a suivis, notre manager. On était tous les quatre sur la route à vivre ces moments intenses en Amérique centrale, et on a eu besoin de le raconter. Et alors, quand on rentre d'Amérique centrale, justement, comment on voit le contexte européen et plus précisément français? Est-ce qu'on a un recul par rapport à ce qu'on vit? Parce que nous, évidemment, dans notre microcosme, on n'est pas content, on dénonce pas mal de choses, vous dénoncez pas mal de choses. Est-ce que justement, ça permet de relativiser? Où est-ce qu'on fait le lien? Est-ce qu'on peut associer les deux? Parce qu'il y a un texte, je suis un peu long, il y a un texte qui s'appelle Un jeu, qui est extrêmement marquant par le biais d'un enfant qui demande à sa mère, enfin sa mère lui dit on va jouer à ça, mais on va jouer à gagner de l'argent, on va jouer à pouvoir se loger, on va jouer à pouvoir être accepté, à avoir des papiers. Eh bien oui, nous, voir la violence au quotidien dans ces pays d'Amérique centrale, forcément, on relativise. On se dit, effectivement, chez nous, c'est compliqué, mais ailleurs, les gens sont confrontés à d'autres soucis, bien plus tragiques parfois. Alors, c'est des choses qui, ça relativise, mais ce n'est pas pour autant qu'en rentrant, on se dit, bah, finalement, la vie est belle à Paris, profitons-en. Tu vois, on garde quand même les pieds dans le quotidien. On sait que nous, nos luttes, elles sont permanentes. Tu vois, le fait d'être musicien, c'est un quotidien qui n'est pas facile en France. Le fait de. Si Enfin, on est qui dans doit pas ce. être facile en Amérique centrale non plus. Qui n'est pas facile non plus. Oui, Non, mais, non, je mais tu vois, retire. Là, les choses sont plus compliquées. Mais ce n'est pas pour autant que, tu vois, ici, tout va bien, quoi. Tu vois, on est dans un lieu qui est symbolique pour nous. Le sourire sous l'échelle, comme ça, c'est des lieux de vie, des lieux de spectacle, des lieux de partage humain qui ont du mal à exister en France. Donc, on soutient ces lieux, on continue d'être extrêmement actif parce que tout n'est pas gagné, même si à côté, c'est bien plus difficile. Elle était de ces femmes qu'on regarde dans les yeux quand elle raconte sa route comme les règles d'un jeu. Elle était pas si vieille, elle avait sur le dos le poids de mille chagrins des femmes de Suchitoto. Elle était de ces mères qu'on regarde de dessous, pas plus facile, pas plus fière,